Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera consacrée à tous les achats que j'ai faits donc de déco, d'ustensiles de cuisine, etc. pour le camping-car. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai trouvé des choses chez Leroy Merlin. J'ai trouvé des choses évidemment à Action, c'est incontournable. Et je vais vous montrer tout ça. Donc première chose, donc des coussins. J'en ai pris deux pour mettre sur chacun des fauteuils. Je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Ensuite, je pensais recouvrir donc les fauteuils d'un tissu, mais je me dis qu'avec le chien plus les enfants, un tissu, je ne vais pas pouvoir le nettoyer, ce ne sera pas déhoussable. Donc j'ai pris, hop, voilà, des plaids. Je vais recouvrir comme ça. J'ai essayé de trouver taupe pour que ça suive avec la déco de la peinture. À Action, je vous mettrai tous les prix et toutes les références, etc., dans la barre d'infos. Ensuite, des couverts, à Action également. Ensuite, alors j'ai trouvé ça aussi à Action. Alors je vous montre comme ça. Et je vais mettre, en fait, je vais le mettre ici. Et puis on mettra des punaises à chaque fois qu'on aura visité un lieu. Voilà. Ensuite, des bols. Alors ça c'est super. Ce sont des bols en bambou. Pour le camping-car, c'est idéal. Trouvé à Action. Donc tout est très rose. Hein. Alors tant qu'on y est, après les bols, donc les assiettes, rose également. Ensuite, toujours rose, très girly, camping-car. Des rideaux, donc j'en ai pris deux. Il y en a un qui ira juste là derrière pour séparer la pièce de vie de notre chambre. Et il y en a un qui ira devant pour séparer de la cabine. Après, voilà, des petits porte-manteaux. Donc ça, c'est Leroy Merlin. Alors j'ai oublié de vous dire, les rideaux, c'est Leroy Merlin aussi. La vaisselle, c'est Action. Donc j'en ai pris, ça va être sympa. On va en mettre ici, dans la pièce, peut-être dans la chambre et puis peut-être dans la salle de bain, on verra. Alors, une poubelle encore rose. Heureusement que j'ai un homme qui est pas trop compliqué et qui accepte le camping-car girly. Donc ça, je l'ai trouvé dans un magasin, c'est Max Plus, qui est à côté de chez moi, où ils déstockent plein de choses. Donc c'est super sympa. Et du coup, ça coûte pas cher. Les petites panières que je vais accrocher au mur côté cuisine, je crois que je vais pouvoir en mettre qu'un. Là, c'est par trois. Ça vient d'Action également. Et j'en mettrai peut-être dans la salle de bain. Bah, ça sert de. On pourra ranger toutes nos petites affaires dedans. Ensuite, à Action, donc un essuie-main. Des torchons également. Ça coûte pas cher non plus, tout ça. Alors après, un saladier encore en bambou. Puis avec un couvercle. Voilà, aussi, c'est très pratique pour les salades en camping-car. Et celui-ci, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin, qui n'était pas forcément donné, mais je me dis qu'on va vraiment s'en servir, donc on va vite l'amortir. Après, j'ai un stickers. Alors, je l'ai commandé sur Stickers Malin. J'ai du vent, il y a le rideau qui nous gêne. Donc, Stickers Malin, ça, c'est pour mettre sur les portes. Sur la porte de la salle d'eau. Et je vais le mettre, je pense, sur le frigo. Voilà. Et ensuite, j'ai encore, si j'arrive à les attraper, j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin. C'était soldé. Donc, c'est des petits panneaux. Je ne sais pas en quoi c'est, mais c'est rigide. Et je vais en mettre un donc, au niveau de la cuisine, juste là. Et je vais en mettre un, voilà, celui-ci, normalement sur ce mur-là. Et vous verrez ce que ça donnera quand tout sera terminé. Et je suis contente de mes achats. Je pense que ça va faire super joli. Et surtout, j'ai hâte que ce soit terminé pour pouvoir tous les installer. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous mets donc, comme je vous l'ai dit, tout en barre d'infos. Et puis, je vous dis à très très vite avec la prochaine vidéo.